Bonjour tout le monde, c'est Mélette. On se retrouve pour un épisode, disons un peu spécial. On va vous montrer un peu les séries d'événements. Et bien sûr, hein, comme la chaîne l'indique, on est en compagnie de Mortalis. Comme la chaîne l'indique, enfoiré quoi. Oui, c'est ma chaîne. Donc on se retrouve donc pour le 10e épisode de Guild Wars 2, s'il te plaît, Mélette. N'oublie pas le. Ah oui, le 10e. Ouais, le 10e, exactement. Mais dis donc que je voulais que tu le dises parce que je sais que c'est ton plaisir de le dire. Ah oui, ça. Bonjour les gens. Ah, Sparadrap qui vous dit bonjour. Qu'est-ce qu'on va voir exactement aujourd'hui? En fait, c'est un événement assez spécial en fait, puisque c'est une suite d'événements et à la fin, il y aura un très très gros boss que j'ai eu l'occasion d'affronter une fois qui m'a permis de gagner beaucoup d'XP et que je voulais vous le montrer. Où ça, un world boss dans 1 minute 25? Ah bah ici, ouais d'accord, bah voilà. Bah donc dans 1 minute 25, ça va commencer la suite d'event. Alors vous allez voir, il va y avoir pas mal d'XP à gagner. De mon côté, je me suis rééquipé du bâton parce que les bâtons, bah en fait... C'est la classe. Voilà, c'est... Oups, j'ai cassé mon démon. Oh, reviens! Va falloir que tu le réinvoques. Bah attends, mais il est invisible là en fait. Ah non, j'ai juste tué. J'ai défoncé mon démon. Non. Ah c'est cool, je peux changer mon personnage. Alors en fait, ce que je voulais voir en fait c'était ça. Est-ce que je peux foutre des glyphes partout? Est-ce qu'il reste sur place? Non, il reste pas sur place, dès que j'en réinvoque un... Bon, l'avantage là c'est... Il y a un cadeau pour toi, Manta. Non mais arrête de me filer des trucs. Bah c'est cool si tu veux changer un peu tes couleurs. Non mais je veux pas changer mes couleurs, je suis très bien comme ça. Mais tu les utiliseras quand même, allez on peut envoyer. Mais non mais j'en veux pas. Oh là là. Au fait Mel, j'ai une grande question, quand est-ce qu'on aura accès au PVP? On y a déjà accès. Ah. Si on veut, en allant à l'Arche du Lion, on peut prendre le portail pour se trouver en monde contre monde. Ah, un nouvel event, on y va. Et donc... Et donc, en fait, quand on y arrive là-bas, on sera directement monté niveau 80, mais juste dans la zone. D'accord. J'ai pas envie d'être niveau 80. Parce que je vais avoir les sorts complètement à la bourre. Non. J'aurais même pas les utiliser. Enfin, ça débloque les sorts que j'ai pas, auxquels j'ai pas encore accès ou pas? Non. Ouais, bon bah voilà, donc à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Un sanglier! Butez-le! Ok. Alors là, il y a pas mal de monde parce que, effectivement, vu que c'est un world boss, ça rapporte énormément d'XP. Hein. En gros, voilà. En fait, c'est plein d'événements à la suite. Étant donné que chaque événement donne un certain pourcentage de ton XP, en faire plein à la suite, ça fait beaucoup monter l'XP. Ouais, bah ça j'ai remarqué. C'est plutôt sympa. Et tu n'as rien remarqué, mon mentamour, dans toute cette foule et tout ça de mon petit personnage? Non, bien sûr que non, je sais même pas où t'es. Démon, Sparadrap. Non, je le vois pas. Je suis passé en dessous de Golem. Normal. Je suis devant toi. T'es devant moi? Non. Ah, si, t'es là-bas, oui. Bah oui, t'es moche. What? Ah, t'as changé de skin. Enfin, de skin. Voilà, De panoplie. Exactement, je me suis fait un petit plaisir. Alors. Donc là, faut attendre, c'est sérieux, 15 minutes. En fait, là, on doit protéger le golem. 15 minutes? Ouais, on l'escorte et après, voilà. Faut attendre 15 minutes? Non. Là, faut protéger le golem pendant qu'il purifie un peu la zone. Mais c'est juste que si on le protège pas assez, il y a un certain temps avant que l'event se termine en échec. D'accord. Okay, tu comprends? Non. Non mais si bien sûr. En fait ce qui se passe c'est que bah on a intérêt à buter tout ce qui va approcher. D'ailleurs moi je vais essayer de ressusciter tous les PNJ comme ça ça nous fera inutile, des... C'est utile bien sûr, vas-y. Bah ça fait un peu de chair à pâté quoi. Mon dieu, il y a encore l'enquête. Ils sont partout décidément. Vous inquiétez pas, on est dans la zone de l'enquête quoi. On continuera la quête principale dans le prochain épisode je présume ou le suivant. Étant donné qu'on a parce aussi il me semble qu'il y a un truc voilà à montrer dans le prochain épisode. Donc encore une fois, l'épisode prochain sera spécial. On fait une semaine spéciale. C'est ça. Et qui dit semaine spéciale d'ailleurs dit peut-être un petit code à gagner. Peut-être. Bah oui. On verra ça. On verra ça si on réussit l'event. Bon, on va le réussir. T'as vu combien on est? Et alors, imagine tout le monde se déconnecte. Et erreur principale du serveur, boum, plus personne, boum, personne n'y arrive. YOLO. Pourquoi il y a de la fumée verte? Eh bah c'est l'event. Ah
C'est trop bien, je suis dans la fumée verte, j'ai aucun problème. Non plus. Je suis derrière toi. Bonjour. Ouais, c'est bien. Bref, allez. Attends, il dit un truc, j'arrive pas à voir. Je crois qu'il a 10 pouces verts. Cellule de batterie magique, presque chargée. Oui, il a Encore dit. un peu. On peut y arriver, c'est certain. Il a 10 pouces verts. Ouais. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. Regardez comme le nom de tous les jeux, de tous les bétails invoqués ici sont tous en vert. Donc Exactement, voilà qui pouce est en vert. vert. Et maintenant c'est des pouces bleus, comme le cercle du golem. Ouais. Donc pouces bleus pour protéger le golem avec C'est nous. Ouais. ça. Pouce bleu si toi aussi tu veux donner ta force à Mentalis pour affronter ce qui va Lui, il arriver. y a un mec, il a une pomme au-dessus de sa tête. Une pomme? Ouais, une pomme. Oh. Ici, là. Ah ouais. Je parie que c'est pas un level 80. Si, si, c'est un level 81, niveau de maîtrise 9. Alors, ça, par contre, me demandez pas, je connais pas, c'est l'extension, j'en suis pas encore là. De quoi? Niveau de maîtrise 9. Bah oui. Tu vois plus son level, tu vois son niveau de maîtrise, je Bah connais oui. pas. C'est parce qu'il est trop puissant. En fait, il y a tellement de trucs à l'écran que j'arrive même plus à voir ma souris. Ah, c'est bon, elle est là. Attends, il manque pas un bestiau? Démon sanglant. Non, c'est bon, il est là. Qui c'est qui est en train de crever là? Et mourir en silence là? C'est ça! Y'a trop de trucs! Ça va ton PC il le tient au Et fait? moi qui vois, il le tient facilement. Ok. Regarde, j'arrive à faire tourner le jeu là. Ouais, Tales of. Non, mais tu peux en parler. Ouais, mais moi je fais pas de pub. La Bah, pub. tu peux en l'occurrence. Est-ce que le jeu vaut le coup qu'on lui fasse de la pub? Oui! Bah voilà, Et donc merde, mais. et mince, j'ai envie de faire de la pub là. Je dis qu'il vaut le coup, ça veut dire que je fais de la pub. C'est ça. Donc oui, évidemment. Bon, le golem, c'est moi ou il tourne en rond depuis tout à l'heure? Bah non, mais en fait, il fait des allers-retours. En fait, il Ah, vérifie si tout va bien. Ah, et quelqu'un, il a invoqué un golem de chair. Il fait partie voilà, de la MAF. ça sera ton. Moi, je l'ai eu qu'en bronze. Bah moi aussi, je crois. Attends, j'ai eu un courrier de Melee Token. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, d'accord. Merci. Ah, un truc pour toi utiliser, ça te fera la couleur si tu veux mettre un peu de changer ton équipement. Ouais. Bah c'est gentil, écoute. Ah, par contre, c'est quoi niveau de menace du golem? C'est De quoi? niveau de menace du golem. C'est en gros s'il est en train de se faire attaquer ou pas. Là, je vais encore être en. Je vais rien avoir. J'arrive pas à choper le moindre ennemi. Ah non plus. C'est ça le problème quand il y a beaucoup trop de monde dans un event. Ah mais c'est nul. Ça, par contre, c'est mal foutu. Il devrait y avoir un ennemi par personne. Ah, j'ai réussi à en trouver un. Prends des dégâts. Moi aussi, je tape. J'ai lancé une pluie de flèches, je vais toucher plein de mecs. Ok. Ah là, dire que vous disiez que mon pluie de flèches était Qui inutile. disait ça? C'est pas parce qu'elle fait pas de dégâts du tout que. Elle sert à vendre l'or. Ouais. Oh mon dieu, tellement de monde. Putain, mais j'ai beau spam mes tabs, aucun ennemi, hein. Là, je suis en train de faire le tour du golem. Ah! J'ai trouvé un truc à taper. Ah bah, il est déjà mort. Là! Un truc à taper! Non, c'est déjà mort. Là, un truc à taper! Ok, il est déjà mort. Là, un truc à taper! Ok, bah déjà mort. Là, un autre truc à taper! Obstrué. Oh mon dieu, quoi. Ok, là-bas, il y a un truc. Meurs! Ok, il est mort. J'ai une question. Est-ce que c'est adaptif au nombre de personnes qui sont dans la zone event? Parce que si t'es tout seul, ça doit être quand même sacrément chaud, non? Ouais. Un chien de pierre, meurs! Je sais pas où il est, mais meurs! Bon, ben voilà. Bon bah dans 2 minutes on a fini l'event sans avoir trop compris ce qu'on a fait. Et après, il y aura encore autre chose, n'oublie pas. C'est vrai. On aura terminé cette partie de l'event.
Voilà. Ah là là. Non. Il y a un mob élite qui est apparu, mais il a eu un accident. Et c'est moi ou le niveau de menace du golem, elle est à 0? Bah, moi, il y a tellement de monde que comment tu veux qu'il s'appelle le golem? Alors. Ah, attends, j'ai. Non, mais non. Attends, par là, là, y a pas d'ennemi? Là, là-bas, y'a un ennemi! Ah, bah non. Adada, Bah c'est voilà. mon bidet. Détruire. Je peux pas cap. Vu que 1 minute et 30 secondes. D'accord. Dommage qu'on puisse pas voir au fur et à mesure notre niveau de. De participation à event. Notre niveau de participation à event. De quoi? Oh là là, il y a eu un lag. J'avoue. J'avoue. Oui, tu as lagué en fait. Ouais, j'ai eu un lag. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe, quelqu'un? Il y a tellement de monde que. Il a de l'XP quand même ou pas? Je crois pas. Oh attends, je il crois y a qu'il un faut mettre quoi à la fin de l'event. Sinon, ce serait trop simple. Tu sais, tu remets tes 5 mecs au même endroit. Et à chaque fois, bah, tu te déconnectes avant la fin de l'event. Tu reprends, tu connectes tes 5 personnes, ils vont tous gagner un peu d'XP. Ah, mais c'est dommage parce que bah, pour les personnes qui ont bah, des PC un peu en carton. Ou des connexions en carton pâte, ce qui est mon cas. Comme toi. Pour la connexion, ouais, ça j'avoue. Hein. Connexion, c'est tout. En fait, si on mélangerait ton PC et ma connexion, ça irait. Hein. Non, parce que t'as une connexion aussi bonne que la mienne. Non, non, moi je bug pas comme toi. Bah. Ouais. Vite quand même. Hein. Beaucoup moins que toi quand même. Chut, vite. Je vais rapprocher un peu mon bureau de moi. Non, c'est plutôt toi que tu rapproches du bureau. Non, non, j'ai rapproché mon bureau de moi. Hein, pourquoi ce sera. Ah, j'ai un truc en argent, pas mal. Moi je l'ai en or. Chut. Hashtag plus de flèches. Pouce bleu si t'aimes la plus de flèches. Bah alors, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un world boss. Et voilà. Oh putain, faut que je me cache, j'avais oublié. Faut s'éloigner. Allez. On se souvient ce type de boss là, ou comme le tout premier boss qu'on avait invaincu quand on a lancé le jeu. Ouais, mais ça, je sais, mais c'est pas la première fois que je fais cet event, hein. J'avais fait pour passer level 20, celui-là. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire sinon. Ouais, ouais, bien sûr. Je dis ça aussi pour le rappeler aux abonnés. Ouais. Aïe, 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 aïe. Il fait mal, hein. Et j'ai un chat qui me chatouille. Je vois pas très bien ce qui se passe, mais ça a l'air cool. J'ai chaud. J'ai très chaud. Ah non, je veux pas mourir, hein, s'il vous plaît. C'est bien, c'est que j'ai envoyé mon familier ressusciter les gens autour de moi. Ah bah s'il pouvait venir de mon côté, je crois qu'il va avoir du taf dans pas longtemps. Voilà, oh là là là. Ma Et vie. Pense bien, normalement si je me trompe pas, il y a un coffre. Ah, je suis mort. Voilà. Je suis mort. Il y a quelqu'un qui est gentil et qui me ressuscite. Ça y est, t'es mort? Non. Bah oui, si. T'es où? Bah non, t'es en vie. Ouais, bah oui, je viens de me faire ressusciter. Il y a un coffre là-bas. Ah, donc vous voyez, on obtient deux petits coffres là, et donc évidemment le gros coffre qui est là. Voilà, où on obtient masse d'équipement, masse de bordel. Est-ce que j'ai. Bah, oh. Ah, j'ai quasiment plus de place dans mon inventaire, c'est une catastrophe. Globalement, c'est que du stuff que j'ai déjà ou dont j'ai rien à faire. J'ai trouvé une dague plus puissante que mon espadon. Pourquoi? J'ai trouvé une dague niveau 20 par rapport à un espadon niveau 10. Voilà, alors, Ok, et on ouvre ça aussi, et... Ah, y'a rien que je peux utiliser, ça m'énerve, voilà. Bon bah, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on a tout vu. Ouais, je pense qu'il va être un peu plus court que d'habitude cet épisode là. Bah justement, on n'a pas un truc à leur dire à la fin comme on a réussi l'event. Non, non, non. Non, peut-être pour le prochain épisode. D'accord. Bon allez. Bah en tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là?
Et Manta, Pourquoi il y a une j'ai tablette trouvé ma là? maison. Attends, viens voir, il y a J'ai une trouvé tablette même. là. On peut en faire quelque chose Ça, ou? c'est un sort de quelqu'un. Oh! Viens voir, j'ai trouvé ma maison. Je te regarde sur la minimap, t'es par là-bas. Hein. Non, c'est Sparadra Derrière là-bas. toi. Derrière moi. À ta gauche. Ah ouais, tiens, je viens avec toi. Voilà, maintenant nous vivons ensemble. Non! Voilà, hein. Oh! Oh mon dieu, Aïe! il y a un Aïe! minotaure, meurs! Voilà, donc, bah moi je vous dis à la prochaine. Et on se fait attaquer chez nous! Pas de soucis, t'inquiète, mon cher. Tiens, on croirait qu'on est trois petits cochons et méchants loups qui arrivent, quoi. C'est ça. Sauf qu'on est trois petits cochons armés Non, et on est de les deux petits sulfateuses, hein. azurins qui sont agressés par tout le monde. Allez, zou, salut tout le monde. Salut tout le monde.